Alors, comment ça nous est venu de faire un drive à Truscam ? En ce moment, c'est un peu particulier, c'est la trêve automnale, comme j'aime à dire. Et on a décidé de travailler à Truscam, on a décidé d'être tous là, on est dans une super dynamique, on est super content d'avancer, de remettre à plat les projets, l'organisation. On voudrait mettre en place la sociocratie aussi, vaste projet. Et puis parmi tout ça, le jeudi, le lendemain de l'annonce, on s'est dit faisons un drive. On y avait pensé pendant le premier confinement, on n'était pas trop prêts. On y a pensé même pendant toute une période où on faisait de la vente et cumuler la vente en direct, que les usagers puissent venir sur place et le drive, ça nous paraissait difficile à gérer. Le confinement est arrivé, il faut dire le gros mot, c'est arrivé et pour nous c'est finalement une opportunité de mettre en place ce projet-là. On a commencé le mardi 3, et puis on a mis tout de suite l'équipe à carburer et a mis en ligne une centaine d'objets tout de suite. Alors, comment marche le drive de Truscam ? Tout simplement sur internet, plein d'objets, de photos d'objets avec leur descriptif et mis en ligne, et puis vous n'avez plus qu'à aller chercher, fouiller, comme à la place de venir fouiller dans nos locaux, vous fouillez sur le net, et puis après, un petit envoi de message à Herveline, et puis ou appel téléphonique, et on prend un rendez-vous, et comme vous avez la possibilité de vous déplacer pour venir chercher une commande, vous venez au 233 route de Rosporden, notre dépôt, pour venir chercher cette commande. Malheureusement, en ce moment, on ne peut pas prendre d'apport à notre dépôt parce que ça fait trop de personnes physiques au même endroit et on s'est dit que pendant qu'il n'y avait pas d'apport, ça nous laisse le temps aussi de pouvoir faire ce drive. On a pris collégialement l'idée de préparer un petit peu Noël avec des jouets, beaucoup de jeux de société sont mis en ligne, les décos de Noël aussi, les sapins de Noël, dont il en reste encore, et puis des meubles pour, qui sont en bon état, que vous pouvez utiliser tout de suite, ou des meubles pour relooker, puisque pendant ces temps agité où certains ont plus de temps à la maison pour pouvoir bricoler. Donc c'est la bonne occasion de venir chercher un petit meuble rigolo. Et puis on va essayer de mettre des livres, on va essayer de mettre de l'électroménager. Et tous les jours, on met des nouvelles choses, donc il faut regarder tous les jours sur Internet. Alors pour nous trouver, c'est sur notre page Facebook Truscam la ressource qui rit ou le @ressourcerie.quimper. Il y a un onglet boutique où vous trouverez tous les différents objets mis en vente. Par ce biais-là, vous pouvez nous envoyer des messages, donc un message privé avec l'objet que vous souhaitez réserver ou nous contacter au 02 29 20 96 76 pour qu'on puisse programmer ensemble un rendez-vous et pouvoir effectuer le retrait de l'objet à notre dépôt au 233 route de Rosporden à Quimper. Et puis quelque chose de fondamental pour nous aussi, c'est garder le lien avec les bénévoles. Et pour ça, ils étaient super partants pour confectionner chez eux des kits zéro déchet ou des décorations de Noël, comme des photophores ou des cadres, des chemins de table pour ces moments qu'on se veut festifs. Et on les mettra en ligne aussi par le biais du drive. Ayez l'œil.